Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à l'obtention de toutes les invocations de Final Fantasy III. Commencez par vous rendre au nord-ouest de Saronia dans le village de Replito pour aller dans le magasin de magie où vous trouverez les 5 premières invocations, Cavale, Glaçon, Étincelle, Braise et Hyper, respectivement de niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous les avez achetées, vous pouvez repartir du village et vous diriger au-dessus de l'eau au sud-est du quartier de Saronia Sud-Est. Avec le Nautilus, il ne vous reste plus qu'à plonger et à pénétrer dans le mur qui se trouve juste en face de vous. Vous tombez dans les catacombes de Saronia, vous aurez de nombreux objets à récupérer et au bout du chemin, l'invocation Chaos. Commencez par avancer tout droit dans le chemin et prenez le premier escalier. Traversez ensuite la salle qui se présente à vous pour monter un autre escalier. Une fois arrivé dans la salle suivante, prenez l'escalier de droite pour ouvrir trois coffres. C'est une crosse golem que vous trouverez dans le premier, une cloche runique dans le deuxième et un écu égide dans le troisième. Redescendez l'escalier que vous venez de monter et prenez à présent celui de gauche. Vous trouverez sur votre route deux autres coffres. Le premier contient une cote miroir et le second une lourde lance. Montez à présent l'escalier qui suit pour passer dans la salle suivante. Il y a un passage secret sur votre droite qui vous donne l'accès à 8 coffres piégés. Les 4 du haut contiennent des élixirs. Quant à ceux du bas, ils contiennent des queues de phénix. Je vous ai passé les combats, ils sont assez faciles à finir. Une fois fait, vous pouvez repartir à gauche à travers le passage secret par lequel vous êtes passé et prendre l'escalier au centre de la pièce. En faisant quelques pas et en utilisant la touche action, vous déclenchez une scène cinématique. Vous faites à présent face à Odin, qui vous attaquera. Odin possède 31 000 PV et vous rapportera 20 000 points d'expérience ainsi que 16 800 guiles. Comme la plupart des boss du jeu, il attaque deux fois par tour à l'aide d'attaques physiques, sachant qu'une fois que ses PV seront passés en dessous d'un certain seuil, il commencera à vous attaquer avec des attaques de groupe. Le niveau 40 minimum est requis pour vaincre ce boss. Notez aussi que si vous possédez un voleur dans votre équipe, vous pouvez lui voler un élixir. À la fin du combat, vous obtenez Chaos, sort d'invocation de niveau 6. Pour récupérer Léviath, partez maintenant en direction du continent flottant et grâce à l'invincible, accédez au lac d'or juste en dessous de la cité Gul'gan. Vous pouvez, grâce à votre canoë pliant, pénétrer dans cette zone en allant vers l'espèce de baleine. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment récupérer l'ensemble des objets de la zone. Avancez dans le seul chemin qui se présente à vous et partez dans le chemin du bas, ouvrir 4 premiers coffres. Vous trouverez dans le premier une queue de phénix, dans le deuxième une colère divine. Dans l'avant-dernier coffre, un tambour sismique et dans le dernier, un vent arctique. Une fois les 4 objets récupérés, repartez par le chemin du haut et ouvrez 4 coffres à nouveau. Une fois que vous aurez récupéré les 3 super potions qui s'y trouvent ainsi que l'élixir, vous pouvez emprunter l'escalier et poursuivre votre route. En haut à droite de la petite mare, vous trouverez un écu égide dans le premier des 4 coffres, puis dans le deuxième un marteau platine, et en suivant un cylindre Bacchus et une carapace tortue. Passez maintenant par en bas pour récupérer un musc blanc
et en poursuivant votre route, vous descendez un escalier pour la salle suivante. Dans celle-ci, dans le chemin en haut, vous trouverez à nouveau quatre coffres. Le premier contient un trou noir, le deuxième un marteau platine, le troisième une cotte miroir, et dans le quatrième, un peu plus loin, un musc noir. Une fois fait, vous pouvez revenir sur vos pas et emprunter le chemin situé au sud-ouest pour découvrir deux coffres, le premier contenant un baiser de Lilith et le second, un soupir de corbeau. Partez à présent dans le chemin nord-ouest pour descendre l'escalier. Il ne vous reste plus qu'à suivre le seul et unique chemin qui se présente à vous pour vous retrouver face à Léviathan. Boss qui, une fois battu, vous donnera le sort d'invocation de niveau 7, Léviath. Alors celui-ci possède 32 000 points de vie et vous rapportera 20 000 points d'expérience ainsi que 17 100 guiles. Sachez qu'il est sensible à l'élément foudre qui peut attaquer deux fois par tour avec des attaques physiques classiques qui peuvent vous infliger l'altération d'état fossile. Il dispose également des magies carapace et booster et peut vous attaquer avec son attaque spéciale Tsunami qui touche tous vos personnages. Si vous avez un voleur dans votre équipe, sachez que vous pouvez lui voler une super potion. Pour obtenir le sort d'invocation de niveau 8 Bahamur, il vous faudra vous rendre dans le repère de Bahamut situé sur le continent flottant tout au sud-est de la carte. Vous aurez besoin pour y accéder de l'invincible. Vous aurez ici quelques objets à récupérer, pour la plupart ils se trouveront sur votre chemin. Je vais vous montrer comme d'habitude comment tous les obtenir. Commencez par traverser le premier pont qui se présente à vous et empruntez ensuite celui de gauche pour découvrir les deux premiers coffres de la zone, contenant pour le premier une colère divine et le second un tambour sismique. Empruntez dès à présent le pont de droite pour trouver deux autres coffres. Dans le premier, vous trouverez une queue de phénix et dans le second, un vent arctique. Poursuivez votre chemin par le bas en empruntant le nouveau pont qui se présente à vous et descendez l'escalier. En suivant le chemin ici, vous trouverez de nombreux coffres tous sur votre route, il n'y a qu'un seul chemin. Le premier de ces coffres contient une crosse golem. Le deuxième, un musc blanc. Celui qui se trouve juste après le pont, un sidrobacchus. Ici, vous trouverez une colère de chocobo dans le premier des deux coffres. Et dans le dernier, une carapace tortue. Après avoir emprunté l'escalier, vous trouvez juste à votre gauche un autre coffre contenant un arc de Rhythos. En remontant, vous en trouverez deux autres. Le premier contenant, encore une fois, une queue de phénix. Et le second, un élixir. Juste à gauche du pont et avant d'emprunter celui-ci, ouvrez le coffre qui contient un côté de saut, puis empruntez le pont. Et poursuivez tout droit. Vous entendrez une voix vous demandant si vous êtes assez fort pour le vaincre et sortez de la grotte. Aussitôt, le combat contre Bahamut s'enclenche. Ce boss à 34 000 PV vous rapportera 20 000 points d'expérience ainsi que 16 500 guiles. En utilisant la compétence vol, si vous disposez d'un voleur, vous pouvez lui voler une super potion. Sachez que Bahamut attaque deux fois par tour à l'aide d'attaques physiques et d'une attaque très puissante, Mega Atomium, qui peut toucher tous vos personnages et peut faire jusqu'à plus de 1000 de dégâts. Il est faible au vent, je vous recommande donc d'attaquer avec la compétence saut d'un chevalier dragon si vous en possédez un, et avec l'attaque Aerowix de votre mage blanc ou dévot si vous en possédez un. En dehors de cela, rien de bien compliqué, faites très attention seulement à vos PV à cause de cette attaque Mega Atomium, donc régénérez vos personnages à chaque tour pour être sûr de ne pas vous faire battre. Et il vous faudra un niveau 45 aux environs pour pouvoir le vaincre. Une fois fait, vous obtenez donc le sort d'invocation de niveau 8, Bahamur.